Salut tout le monde et bienvenue sur Demos Kratos. Aujourd'hui on va parler des médias et de comment on pourrait faire pour les améliorer. Le problème, ce n'est pas tant que les médias ne soient pas objectifs, mais que leur subjectivité profite souvent à une minorité de personnes, c'est-à-dire en gros les 10 milliardaires qui possèdent la majorité des journaux, des chaînes de télé et des chaînes de radio. Pour plus d'informations à ce sujet, je vous invite à aller voir l'excellente vidéo d'Osons Causer qui s'appelle « Pourquoi 10 milliardaires contrôlent-ils notre information ?». Il est grand temps de réfléchir à un système qui nous permettrait de rendre nos médias indépendants, que ce soit du marché ou de l'État. Parce qu'une information indépendante, c'est la base de toute véritable démocratie. Selon Reporters sans frontières, la France est 39e du classement mondial de la liberté de la presse en 2017. Ouais, on est plutôt loin de la première place, et je pense que ça se ressent un peu sur notre démocratie. Pour réaliser cette vidéo, je me suis appuyé sur les travaux de Pierre Imbert, qui est journaliste au Monde Diplomatique, et qui est membre de l'association Acrimed, qui analyse et critique les médias. Pour commencer, c'est très important de préciser que l'ensemble des outils juridiques nécessaires à la mise en place de ce nouveau système existent déjà. Donc il n'y a même pas besoin de réformer, de créer de nouvelles lois ou de changer la Constitution. Comme je l'ai rapidement expliqué en introduction, les médias ont toujours subi deux sources d'influence néfastes pour la démocratie, l'État et le marché. En effet, que ce soit l'État ou une dizaine de milliardaires qui contrôlent l'information, bah c'est jamais une bonne chose pour l'indépendance et la liberté de la presse. Le système de Pierre Imbert a pour but premier de libérer les médias de ces deux sources d'influence antidémocratiques. Pour commencer, il faut bien comprendre que les médias ont trois moyens de gagner de l'argent, par les ventes et les abonnements, par la publicité et par les subventions de l'État. En moyenne, 17% du chiffre d'affaires des journaux vient des subventions de l'État. Alors ce système, il coûte un peu plus de 1,6 milliard d'euros par an selon la Cour des comptes. En 2012, le ministère de la Culture et de la Communication recense 4726 journaux, dont 510 seulement qui sont de la presse d'information. Mais tous reçoivent des subventions de la part de l'État. Par exemple, le journal de Mickey reçoit plus de subventions que le Monde Diplomatique. Non pas que je critique le journal de Mickey, hein, c'était mon journal quand j'étais petit, mais je pense que le Monde Diplomatique apporte un peu plus au débat public. Et là on pourrait se demander, pourquoi on finance du divertissement au détriment de l'information? C'est pourquoi Pierre Imbert propose un nouveau système qui s'appuierait sur cette distinction déjà existante entre la presse récréative et la presse qui a vocation à éclairer le débat public. Dans ce nouveau système, uniquement la presse qui a vocation à éclairer le débat public recevra des aides de la part de l'État. Tous les journaux récréatifs ne recevront plus d'aides parce qu'ils ne sont pas indispensables à la démocratie. Pour qu'un journal soit reconnu comme presse qui a vocation à éclairer le débat public et donc recevoir des subventions de la part de l'État, il devra obéir à trois exigences. Premièrement, la non-lucrativité, c'est-à-dire que le journal ne devra pas faire de bénéfices qui sont reversés aux actionnaires. Parce que si le journal a tellement d'argent qu'il peut rétribuer ses actionnaires, bah ça veut dire qu'il n'a pas besoin de subventions. Deuxièmement, la non-concentration, c'est-à-dire qu'un éditeur n'aura pas le droit de posséder plus d'un journal. D'ailleurs, cette loi, elle était en vigueur en France de 1945 à 1984. Et je vous laisse comprendre pourquoi elle a été enlevée. Lobbyisme. Et enfin, troisième exigence, l'interdiction de la publicité. En effet, la presse qui a vocation à éclairer le débat public ne doit pas être sous l'influence des publicitaires, et les lecteurs ne doivent pas donner leur temps de cerveau libre à la publicité, mais aux articles. Mais rentrons dans le cœur du sujet. De quel genre d'aide on parle? Eh bien, l'idée, c'est de remplacer les subventions par la mutualisation des infrastructures de production, d'administration et de distribution. Ne criez pas trop vite au communisme, ce n'est pas du tout le cas ici. Un exemple concret. Aujourd'hui, la majorité des journaux sous-traitent leurs services d'abonnement. En créant une plateforme commune pour gérer les abonnements, ça ferait faire des énormes économies à tous les journaux. Et en plus, les données des abonnés seraient beaucoup mieux protégées. Mais combien coûterait ce nouveau système? Eh bien, Acrimed a réalisé une modélisation sur l'ensemble des 510 journaux d'information reconnus aujourd'hui, et le résultat, c'est que ça nous coûterait environ 1,9 milliard d'euros par an. Ça peut paraître énormément d'argent, mais en fait pas du tout. Il faut bien se rendre compte qu'aujourd'hui l'État donne 1,6 milliard d'euros de subventions chaque année qui seront remplacées par le nouveau système. Donc si on fait le calcul rapidement, ça ne nous coûterait que 300 millions d'euros en plus chaque année. Ça peut paraître beaucoup d'argent, mais c'est le prix d'une presse libre et indépendante qui est à la base de toute démocratie.
Et pour financer ce nouveau système, on n'augmente pas les impôts. On met en place une cotisation information. En gros, c'est le même mode de financement que pour la sécurité sociale ou pour les retraites. C'est-à-dire que chacun cotise en fonction de ses moyens. Mais pourquoi une cotisation plutôt qu'un impôt? Parce que contrairement à l'impôt, la cotisation ne passe pas par l'État. Elle est gérée par des caisses de cotisation autonomes. C'est-à-dire que l'État ne peut pas décider de supprimer ce financement du jour au lendemain pour censurer la presse. Cette caisse de cotisation information serait gérée de la même manière que les caisses de la sécurité sociale entre 1945 et 1960, c'est-à-dire par les salariés eux-mêmes. Ça s'appelle de l'autogestion et c'est le meilleur moyen d'éviter l'influence de l'État et du marché. Je ne dis pas que ce système est parfait, il y a très certainement plein de points à améliorer. Mais au moins on aurait une presse libre et indépendante qui nous permettrait de construire une véritable démocratie. Je pense que vous l'avez compris, Pierre Rimbert parle surtout de la presse écrite, mais en réalité son système peut s'appliquer à l'ensemble des médias. Et j'aimerais remercier tous mes tipeurs grâce à qui je reste un média libre et indépendant, puisque je suis financé directement par vous et non pas par un milliardaire qui voudrait faire passer ses idées. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, n'hésitez pas à la partager un maximum et on se retrouve demain pour une vidéo qui va être plutôt sympa. Voilà, allez, à demain !